Moi, je suis Marion et on a une formation qui s'appelle Rocking Chair avec donc Pierre Zabot et Christophe Lefebvre. Et on se connaît depuis Pierre assez longtemps, mais on a recruté notre Christophe il y a un an et demi à peu près. Voilà. Et on fait de la chanson jazzy, ce qu'on appelle de la chanson jazzy, parce que finalement on va prendre un répertoire qui nous plaît et peut-être l'arranger à notre manière pour que ça sonne un peu jazz. Voilà. Bah, Toff, il joue du jazz manouche, lui, dans une autre formation qui s'appelle Polyamide, enfin du swing, mais pas mal de morceaux du jazz manouche. Et quand il est arrivé, on a tout de suite eu le swing. Il est arrivé avec lui. Et on a eu envie d'explorer d'autres contrées musicales, mais avec le swing, quoi. Et on aimait bien l'idée de reprendre les morceaux du répertoire rock ou variété internationale et lui donner notre couleur, quoi. Dans un autre style, ouais. C'est pour ça que je dis que le répertoire nous ressemble, parce que je crois que chacun arrive avec quelque chose et apporte à l'ensemble sa touche, en fait, sa couleur. Voilà. Alors aujourd'hui, on est effectivement sur la scène off du festival Jazz en Baie à Carole Plage. Donc c'est la première fois que le festival propose au public une scène dédiée en fait à tous les musiciens amateurs de la région. Vraiment, l'accent est donné sur les musiciens de la région, et c'est la première fois qu'on a les moyens mis en place, une sonorisation, une jolie scène, etc., pour pouvoir faire jouer les musiciens locaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Grâce à toi. Hein ? C'est un peu grâce à toi. Non, mais c'est vrai que c'est une autre casquette, mais c'est vrai que c'est important, je pense, dans un festival de jazz comme celui-là, où il y a des grandes têtes d'affiche, des grands artistes internationaux, de pouvoir aussi avoir une scène gratuite pour les gens, soit qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des places, même si c'est relativement peu cher, enfin dans l'absolu, mais voilà, je pense que c'est important de démocratiser le jazz et de montrer aux gens que dans le jazz, il n'y a pas un jazz. Ouais, la scène locale, et puis il n'y a pas un jazz, il y a des jazz. Il n'y a pas une manière d'envisager le jazz. Des fois, les gens, on leur dit festival de jazz, j'aime pas le jazz, mais le jazz, c'est plein de choses à la fois, quoi. C'est pas seulement des choses qu'on comprend pas ou des musiques ennuyeuses pendant des heures. Voilà, le jazz, c'est un univers où il y a plein de musiques apparentées. Et du coup, moi, cette scène off, elle me tenait à cœur aussi parce que, effectivement, tous les gens qui sont de passage, qui ont envie de profiter de la musique, eh ben, ils peuvent le faire sans forcément dépenser des sous. Voilà. Il est un très clair. Voir les gens des sectes, et il le dit. La lune ne vaut rien, la lune ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis. Facebook où vous pouvez retrouver, et puis moi ce que j'aimerais, mais on verra, mais voilà, après je pense qu'il faut qu'on retravaille un petit peu dans nos garages, dans nos pièces sombres, pour proposer quelque chose un petit peu de nouveau, parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le début,
qui sont là à tous les concerts, et c'est vrai que voilà, c'est important de se renouveler aussi et de travailler, ouais. Tout ça. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre... on commence à trouver notre couleur, notre style, mais on explore quand même des contrées très vastes, et maintenant il faudrait peut-être qu'on se recentre un peu, enfin je sais pas, enfin... Ouais. À discuter pendant l'hiver devant le feu. C'est l'hiver. On s'éblouit, les deux jolies petits seins de mon amie.